Bienvenue dans le monde de Rock and Folly. www.rockandfolly.com. Hello chers auditeurs de Rock and Folly, c'est JR pour un nouveau numéro de Projoti Rock. Aujourd'hui je vais vous présenter un groupe de stoner. Étant très friand de ce style, c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir des groupes dans ce genre musical. Aujourd'hui, on va sur Valence découvrir Vinjo. Je vous mets un premier titre. Voici Ninja in the Sky. Shabby my mind, cause what I can see breaks me away from reality. Taking a trip to an off-far land, digging deep inside my old brain. Look to the sky. Since I've been away, night for him to the black or smoke, giving these space to a brand new home. Oh, look to the sky. Vinjo est un tout jeune groupe puisqu'ils se sont formés en mars 2019 et nous offrent un stoner de très belle facture. Une voix rauque, un son bien crade qui sent bon le cambouis et le bourbon, des passages bien bluesy, Vinjo c'est du stoner bien burné qui va vous faire secouer la tête. L'idée du projet est partie alors qu'ils étaient étudiants dans la même école et qui voulaient simplement faire de la musique, sans se prendre la tête, sans véritables objectifs ni ambitions. Quelques compos plus tard, le groupe nous sort un EP bien délirant et surtout très très bon. Cet EP peut être interprété de différentes façons, c'est tout d'abord des histoires assez dingues, mais qui sont finalement bourrées de références, d'événements qui leur sont arrivés.
une sorte d'album photo version musicale de leur vie, avec un côté délirant et des histoires bien barrées. Un EP que je vous conseille donc d'acquérir, d'autant plus qu'il est totalement gratuit, en libre téléchargement sur leur Bandcamp. Rendez-vous donc sur vinjo.bandcamp.com. Les influences du groupe sont fortement orientées vers le stoner, avec des groupes comme Kius, Mill Mobs, Fu Manchu, Blackstone Cherry ou encore The Atomic Beach Wax. Et je rajouterai Orange Goblin, qui je trouve s'y retrouve dans certains morceaux. Voilà, c'était un extrait de The Night of the Drunken Dead. Niveau actu, évidemment, c'est la sortie de leur premier EP, qu'ils essaient de diffuser le plus possible par l'intermédiaire de web radio ou sur YouTube. Ils cumulent déjà plus de 6000 vues ou écoutes, ce qui est une très belle surprise pour eux, d'autant que cette EP a été réalisée quasiment à 100% en do-it-yourself, hormis l'artwork. Sinon, le groupe espère pouvoir se faire diffuser sur des radios locales, en Rhône-Alpes, et pourrait, si la possibilité leur est donnée, d'effectuer un live en streaming, mais pour le moment, rien de précis sur ce sujet. Par contre, le groupe commence à travailler sur un futur album. Bien sûr, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais le projet est là. Si vous voulez suivre ça de plus près, abonnez-vous à leur page Facebook sur Vinjo Band. Je vous mets un nouvel extrait, voici The Rise of Mr. Scryde. Voilà, c'est fini pour Vinjo. Une belle surprise qui personnellement m'a mis une belle claque et je ne devrais pas être le seul à en prendre une tellement la qualité est là. Je vais me répéter, mais si vous êtes amateur de stoner, vous allez vous régaler avec cette EP. Je rappelle pour ceux qui me découvrent que Projo T-Rock c'est tous les jeudis à 19h sur Rock en Folie, mais Projo T-Rock c'est aussi une chaîne YouTube avec près de 170 groupes. Vous y trouverez du rock, du metal et du punk et pas mal de belles pépites à découvrir. Je vous laisse avec un dernier morceau. Voici Yeah Yeah. Ciao.